Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je salue la forêt. Mes sincères condoléances à toutes les familles victimes qui ont perdu leur enfant aujourd'hui. Et on garde un moussibé, foulbé Guinéen, la hiro. Kala commentaire dans les rats dans la faux, partagez vos vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers Guinéens et chers compatriotes Guinéens. On a beau conseil Mamadi Doumbouya ici. Mamadi Doumbouya, tu es trop têtu. Chaque jour que tu veux faire les choses, Mamadi Doumbouya, Dieu te montre des signes pour te dire il faut t'arrêter, il faut freiner. Ce qui s'est passé à Zéro Créé encore aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, tout ça là, c'est les signes de Dieu. Dieu veut te dire d'arrêter. Tu ne peux pas dire que tu vas te cramponner au pouvoir, Mamadi Doumbouya. Il faut comprendre le message de Dieu. Dieu ne peut pas discuter avec toi, Mamadi Doumbouya. Dieu ne peut pas parler avec toi. Mais si tu es une vraie personne qui réfléchit là, Mamadi Doumbouya, Dieu t'a montré beaucoup de messages. Voilà, aujourd'hui, vous êtes en train de casser les corps. Les corps là encore, vous êtes en train de voler les corps pour aller les enterrer comme ça là. Dans top secret, Mamadi Doumbouya. Comme ce que tu as fait le 5 septembre 2021. Mamadi Doumbouya, honte à toi. Mamadi Doumbouya, organise les élections, tu quittes le pouvoir là, tu peux revenir après. Organise les élections, tu quittes. Mamadi Doumbouya, toutes les personnes qui sont à côté de toi, personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Avant de continuer d'abord, je voulais dire à l'autre là, après je vais dire ça là, c'est pas maintenant. Donc, Mamadi Doumbouya, il est kofoui kela ala nya ila, ala bra kela ala sema, kouyato, il est si la men kan si la corona, Mamadi Doumbouya. Il kota ya la sen kofé, ici, ibiri Mamadi Doumbouya, momel be y kofé, tiya, il m'a dit monsieur Mamadi Doumbouya. Il m'a dit monsieur Mamadi Doumbouya, momel be blani ko odi ko le rom Mamadi Doumbouya. Al dita ki ke gâteau d'anniversaire di, bedina ka la wurita ka sorala, Mamadi Doumbouya nya la ka. Il n'y a la ka. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2024. Il te reste 30 jours au pouvoir. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, chaque jour, quand il y a tout big window, moins un jour. Nous, aujourd'hui, il est quelle heure? Peut-être il est 0h. Donc, nous, on peut dire maintenant qu'il te reste. Non, il n'est pas 0h d'abord. Donc, le pouvoir de Mamadi Doumbouya reste 30 jours. À partir d'aujourd'hui, tous les Guinéens partout dans le monde entier, prenez le BIC. Le 2, vous allez écrire le 2 décembre 2024, CNRD moins 2 jours, CNRD moins 3 jours, CNRD moins 5 jours, CNRD moins 6 jours, jusqu'à on va arriver le 31 décembre. Mamadi Doumbouya, tu dis que tu es trop têtu. Tu n'écoutes pas les conseils. Le professeur Abdul Majid a dit, nul n'est sourd au monde, sauf celui qui ne veut pas écouter et apprendre. Ça, c'est la phrase de professeur Abdul Majid, le professeur de franco-arabe. Très intellectuel, très intelligent. Nul n'est sourd au monde, sauf celui qui ne veut pas écouter et apprendre. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui encore, vous êtes en train de voler le corps là, à l'heure actuelle là, vous êtes en train de voler le corps là pour faire disparaître le corps là. Il paraît-il qu'il y a eu plus de 150 morts. Jusqu'à même, tes ministres se permettent de se téléphoner là, de ne pas faire passer les communiqués là. Vous êtes une honte pour la Guinée. Le CNRD, vous êtes devenu des déchets toxiques de la République de Guinée. Vous êtes devenu des déchets toxiques de la République de Guinée dans l'histoire. Mamadi Doumbouya, honte à toi. Quand nous, on est sortis ici, on disait tout le temps que vous utilisez les enfants. Vous utilisez tout le temps les enfants. Vous partagez 10 000. La fois dernière, ce qui s'est passé à l'abbé, il s'est sorti ici, j'ai dit, vous avez partagé 10 000. 10 000 francs guinéens, 10 000 francs guinéens par enfant, non? Pour qu'il achète le pain tapalap avec une boîte de sardines. Non. Les gens ont dit qu'on mentait. Non. Vous voulez remplir les stades, vous voulez remplir les coins. Jusqu'à j'ai fait le live, j'ai même montré. C'est les enfants,
C'est les enfants de l'école primaire, de première année jusqu'à la sixième année. C'est les enfants-là que vous avez pris pour les faire sortir sur la route, pour dire que les gens... Mamadi Doumbouya, on a dit ça aux gens, les communicants, les blogueurs. On a dénoncé ça ici, Mamadi Doumbouya. Personne ne veut de toi en Guinée. Tous les adultes qui sont en République de Guinée aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, personne ne veut, même ta photo même. Il y a des gens, même quand ils regardent ta photo, même, ils ont même envie de mettre le couteau même pour déchirer ta photo là. Tellement que tu es devenu une abomination pour tous les Guinéens. Une honte. Un tremblement de terre républicain. Hein? Vous avez transformé le pays là, hein, à un pouvoir de la pornographie. Hein? Vous avez transformé le pays là, hein, ça dit, non, ça dit, les mots même me manquent. Vous avez détruit le pays là, Mamadi Doumbouya. Hein? 3 ans de votre pouvoir, 3 ans et quelques, 3,840 millions de dollars détournés. Vous avez battu le record de la corruption. Un gouvernement de dessins animés. Un gouvernement de gougnafières. Vous êtes une honte, ma Yaginara. Mamadi Doumbouya. Ibla Kourobo Masako maintenant. Parce que, ikalon, iti malala, fou mouye mouye nanile. Ibla Kourota Yabo Masako maintenant. Il faut nous rendre la paix dans ce pays-là. Laisse-nous respirer dans ce pays-là. Le pays-là n'appartient pas à ton papa, Sékou Touré, Mamadi Doumbouya. Le pays-là n'appartient pas à ton papa, Sékou Touré. Laisse-nous respirer dans ce pays-là. Maintenant, Idi Amin, Ibrahima Sori Bangoura, tonton Bis, tonton Kabissé, là, préparez-vous. Idi Amin, prépare-toi. Bala Samoura, préparez-vous. Nouveau décret, là. Bala Samoura ne sera plus à la gendarmerie. Idi Amin sera jeté à la retraite. L'autre là, Ibrahima Sori Bangoura aussi sera jeté dans la poubelle de l'histoire. Préparez-vous. Mamadi Doumbouya, mais ce qui s'est passé à Zéro Corée là, peut-être ça va lui donner à réfléchir aussi. Mamadi Doumbouya, Manikal Kawolema, Kouyi Mafa Doni, Mafa Mamadi Doumbouya, laisse ça faire de pouvoir là. Vous ne pouvez pas vous baser sur le problème d'ethnie là, dire que tu vas te cramponner au pouvoir. Regardez, vous avez pris les enfants des gens. Mais pourquoi les mères de famille là aussi, les pères de famille là, ont laissé leurs enfants pour partir au stade de Zéro Corée là-bas? Parce qu'on les partage 10 000 t-shirts, 10 000, 15 000, 20 000. Ça va changer leur vie. Vous ne pouvez pas demander au CNRD de construire des écoles pour vos enfants. Ils vont aller étudier pour devenir les futurs cadres de la République, devenir les futurs cadres de Zéro Corée. Vous, c'est le pain, 25 000 francs guinéens avec un t-shirt là, une boîte de sardines, le tapalapa là. Ça va changer la vie de vos enfants. Ça va changer la vie de vos enfants. Eux, ils sont en train de voler des milliards. Leurs enfants sont en Europe. Ils ont acheté des maisons partout pour leurs enfants. Chaque mois, ils font les transactions euro contre euro, dollar contre dollar pour amener à leur famille aux États-Unis, en Europe, ici pour vivre. Vous, les pauvres Guinéens là, campagne, vous allez, quel tout noir? Ou bien c'est-à-dire, Mamadi Doumbouya avait donné au revoir au Guinéen, il va mourir bientôt. Oui, Mamadi Doumbouya va mourir bientôt. Le jubilé là, c'est quoi? Jubilé de la mort de Mamadi Doumbouya. On comprend pas parce que Mamadi Doumbouya ne peut pas, même si on lui dit demain là qu'il va retrouver son propre père biologique là. Mamadi Doumbouya ne peut pas mettre les dadis en prison. Nous dire ici qu'ils ne vont pas répéter les erreurs du passé là. Et emprisonner les dadis, crime contre l'humanité. Et lui va venir assassiner les gens. Vous avez vu le cas de Zéro Corée. Il y a eu plus de 150 morts. Ils sont en train de passer le téléphone. Mamadi Doumbouya même a été surpris quand ils ont dit à Mamadi Doumbouya qu'il y a eu des morts. Mamadi Doumbouya n'arrive pas. Il est fâché tellement. Au Monique, au Tapi, Hai Tabanga. Tu n'as rien vu, quoi. Ça, c'est le travail de Dieu. Mamadi, tu as un contrat avec Dieu. Pas nous, les Guinéens. Ton contrat, là, tu as signé avec Dieu, avec le Coran.
Donc, ils ont voulu profiter de l'image des zéro courriers-là. Ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux pour dire que la forêt, Fouta Diallo soutient Mamadi Doumbouya. Vous qui n'avez pas compris ce qui s'est passé à Mamoula, je vais vous expliquer très bien. Le CNRD, avant que la délégation là n'arrive à Mamoula, les forces spéciales étaient déjà à Mamoula là-bas en civil. Mais beaucoup de Guinéens n'arrivent pas à comprendre la définition de la politique. Donc, comme ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, Mamadi Doumbouya Mamou, on fait ma politique, on anda fausse. Vous ne connaissez rien. Fausse à la kakilemo. Haïndien à la kakilemo. Donc, Mamadi Doumbouya Nabout Itugol délégation à Damamou. Les forces spéciales arrivent et bouillent les outils Mamou. Mais ils te tiennent, tu sais, dit. De what is civil. Fille bingol mamu, et nous gol fouta galon fono joki, Mamadi Doumbouya. Batiko, halagi sans ferren, halagi sans pirin, kokako sans ferren, sans ferren. Kouadono kondondon, marsani bekambe, Mamadi Doumbouya gitti otoal go okibe. Kodumbe falano, yagol otoal kesal climatise. Oui, bera un kouhari konfetino, kikala un kouhari konfetino, bandi kikala un kouhari konfetino. Argolfena, Mamadi Doumbouya no jangi, o jangi France, o jangi Angleterre. Kon do Mamadi Doumbouya. Le nyol pullo. Minani kadi wo be may be zero kure be wobi be full be buino tawato. Menda wo ekip go kadi no yuno labe. O ari han zero kure wo zugol menda ko final. Kundu nangi ono full be. Ono wa ta hidu gol le nyol mo. Ono wa wa ta joda gol mi jito don hidon le nyol mo. Kondu fetini lenyol full be fin wono gol nafigi jawdi ndi jawdi on yada ndi jawdi la kara ha hande me hebali president Omar do kata wono Mamadi Doumbouya hay kata ko alfa konde jogino ko nani no un president ratatoy un criminel ratatoy un assassin ratatoy c'est de jamais vu. Tu vois ça, ça c'est le travail de Dieu, Mamadi Doumbouya. Tu as signé un contrat avec Dieu, avec tous les Guinéens, avec une nation. Tu as prêté serment avec le Coran. Tu veux tromper Dieu, Mamadi Doumbouya. Maintenant, il y a tout de fou et guiné, ni zéro couré, souda fou et guiné. Il y a tout de fou et guiné, ni souda. Maintenant, il y a un ministre Macron Maï. Il y a tout de mots, il y a tout de mots déjà. On en était. Le ministre de sport, le gueulard là qui parlait là, de la forêt là. Hein? Faites doucement, la vie là ce n'est rien. Organise les élections, tu nous fous la paix, Mamadi Doumbouya, tu vas aller te faire foutre en France là-bas. Espèce d'enfoiré que tu es. Penangrassa. Tu n'es qu'un penangrassa, Mamadi Doumbouya. Tu n'es qu'un penangrassa, Mamadi Doumbouya. Avec ta tête de girafe là, ta tête de crapaud là, oignon que tu es, patate purée, pomme de terre, criminel, sanguinaire, psychopathe, délinquant, voyou, assassin, bandit, chef bandit, délinquant international, psychopathe international, sanguinaire. Va te faire voir ailleurs, Mamadi Doumbouya. On en a marre de toi maintenant. Trop c'est trop. Regarde comment tu viens encore organiser. Quel tournoi? Tournoi de quoi? Tu as gagné quel prix Nobel? Quel prix Nobel de la criminalité parce que tu tues seulement les Guinéens chaque jour? Tu prends les Fonikemangé, Biloba, Célestin? Hein? Tu as assassiné Sariba Koulibaly? C'est ça, non? C'est le tournoi là que tu es en train d'organiser, criminel que tu es. Honte à toi. Tu es né sans dignité, Mamadi Doumbouya. Tu n'as aucune dignité psychologique, mentale dans ta tête. Tu n'es qu'un assassin, un voyou expérimenté, un criminel expérimenté, un délinquant, un bandit international, un psychopathe assassin, un narcomania, Mamadi Doumbouya, ça suffit comme ça. Dégage de ce pouvoir-là, tu quittes devant nous. Personne ne veut de toi en Guinée aujourd'hui. Aujourd'hui encore, tu vas aller organiser tout noir de merde, là, dépenser des milliards. Les enfants en Guinée n'arrive même pas à s'asseoir sur les bancs pour étudier. Le droit le plus absolu pour un enfant guinéen, c'est d'aller à l'école, se soigner, manger à sa faim. Tu es incapable de Simandou 2040, Simandou 2060. Bande de salopards que vous êtes, des criminels assassins comme ça. Des voyous,
des petits ethnos de la démocratie guinéenne, les ennemis de la République. Hein? Vous avez transformé ce pays-là aujourd'hui. Le pays-là est devenu aujourd'hui un pays de la pornographie ethno-malinquée. Hein? Vous pensez que la Guinée appartient à une ethnie malinquée? Le pouvoir est destiné seulement à un petit groupe de malinqués là pour se cramponner au pouvoir de 1958 jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez voir, vous allez lire l'heure le 31 décembre. Regardez, ça là, ça sert à quoi? Vous dépensez l'argent pour aller assassiner les enfants. Pourquoi les mères de famille là, et les pères de famille là aussi ont laissé leurs enfants partir là-bas? On a dit ça ici, c'est les enfants. Vous avez dit qu'on ment. Voilà les enfants qui sont couchés par terre. Voici les images. Ils sont tous des enfants, des mineurs. 12 à 13 ans. 13 ans, 14 ans. Les enfants là connaissent quoi de la politique guinéenne? Hein? Des criminels comme ça. Les enfants là connaissent quoi de la politique guinéenne? Attendez, je vais vous montrer les images là. Non, Mamadi Doumbia, tu es devenu une honte pour nous les Guinéens. Wallahi billahi ta'alaï. Ah bon, moi là. Mais alors, mais il n'y a pas que tout le monde est tout le monde là-bas. Les enfants seulement. Pas que tout le monde est tout le monde là-bas. Ah voilà, tout le monde, oh, les blogueurs, les communicants, c'est des menteurs. Quel mensonge! D'arrêt de fourrer, il est là. Regardez. Attendez. Regardez les corps. N'dare do fure gini, n'dare. Tout ça là, c'est les enfants de 12 ans, 13 ans. N'dare fure gini, kobe wari zéro kore hande kon, n'dare. Eh, Mamadi Doumbouya, il kafri. Mamadi Doumbouya, il kafri. Il kafri, il a kafri à bras dans la tami. Regardez le travail de Mamadi Doumbouya. Regardez le CNRD, vous avez sacrifié les enfants des pauvres encore. Regardez ici encore. Regardez les enfants des pauvres. Regardez. Regardez l'image là. Regardez. Regardez ici au couloir. Regardez. Ndare do himbe kobe wari hande konka di zero kure. Hé, hake yada take la kara. Hake yada take la wa. De regarder. Il y avait plus de 150 morts. Il y a surtout des cas de fourré guidin d'Oginadi. Fils, ça, il y a un peu de fourré guidin. Quand on a dit 5 septembre, on a dit qu'on a fait la wadden. On a dit qu'on a fait la fourré guidin. Maintenant, eh non, c'est nerdé. On a dit qu'on a un noir problème. Il n'arrive même plus à dormir. Il est rentré dans le cauchemar. Marie Doumbouya, tu n'as rien vu encore. La nuit, là encore, tu vas arriver. Tout le temps, il paraît-il que quand tu te vois, tu vas aller faire un autre hoïda. Quand tu es pincari, tu vas aller à ta. Tu n'as rien vu encore. Tu dors avec les armes, non? Tellement que tu es un peureux. Tu dors avec les armes. Deux pistolets. Deux pistolets. Tu dors avec ça à côté de ton lit. On est au courant de tout. Tellement que tu es un peureux. Tu n'as rien compris encore. On va rendre le pays là ingouvernable le 31 décembre. Après le 31 décembre. Décembre 2024, Mamadi Doumbouya, on va vous montrer votre petit clan ethno-malinqué là, que la Guinée, c'est pas pour vous seulement. La Guinée appartient à nous tous. Un Guinéen est égal à un Guinéen. Mais le 31 décembre, là, on va te montrer. Tu as vu le travail de Dieu encore? Plus de 150 morts. Qu'est-ce que vous voulez cacher encore? Vous êtes en train de ramasser à l'air là les corps dans Zéro Corée là. Vous êtes en train de faire disparaître les corps. Vous êtes en train de partir enterrer même des corps. Pour dire à la famille, après, vous n'avez pas retrouvé le corps. Des menteurs comme ça, là. Tout ce que vous allez faire en Guinée, là, Mamadi Doumbouya, les communicants sont sur les réseaux sociaux, les blogueurs sont sur les réseaux sociaux, là. On va venir dénoncer ça en temps réel. Regardez-moi ça. Khata toi. Hein? Président de Khatamatologie. Hein? Président de la Khatamatologie, c'est Mamadi Doumbouya. Un gouvernement de Gougnafière. Des menteurs, des psychopathes menteurs, des criminels comme ça à la tête d'un pays. Dieu existe. Ça encore, c'est un dernier message encore, Mamadi Doumbouya. Je vais te dire ça, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, que dit le mari, on a figuré.
Ça aussi, c'est ton, le dernier message de Dieu envers toi, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2024. Les Guinéens n'ont qu'à télécharger ma vidéo là, gardez. Ça, c'est le dernier message que Mamadi Doumbouya, que Dieu est venu encore te dire. Dieu est venu te montrer encore, c'est le dernier message de Dieu envers le pouvoir que tu veux forcer pour rester là. Tout le monde n'a qu'à garder ma vidéo là, écrivez la date et téléchargez cette vidéo, gardez comme souvenir. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, Dieu est venu pour une dernière fois te donner des conseils. Moralement, psychologiquement, mentalement et physiquement. Tous les Amara là, toutes les personnes là, Ousmane Gawal même d'abord, il n'a qu'à finir de se soigner là-bas. Yo gay no yanda goltao. Mais alors Ousmane Gawal, ça t'era tetra qui fisse l'eau d'aller, warete. Ousmane Gawal. A fouta qui pouche goltao, pouche, bouri konda pouche golfeur d'okon. Mais alors non, ma mini fo yo nous aide. Ça t'era qui prie dans ce l'eau d'aller, fisse l'eau d'aller, sourete. Wana ante maide, Ousmane Gawal. Mais voilà non, ma yaterte ce l'eau d'aller. Handoko. Puchuru nanguma, kagoto ima oya puchu defendo doa. Hai bebe jemade wa atamaru gol. Hai ni ala kwa huda da ala kwa ala barki. Ya suku de wongol premier minister kodungo ni inete barki. Wongol hai criminal yon hai bambudi. Hai bandiru no hai bambudi. Dun yadai barki. Dun yadai barki. Mi ala no. Donc, hebin kabine gidi fo France na kayata wo puchu ha puchu toda madapa sion nsanati ka oto ala pusio pati de wo puche re konangu mado puche ha apuche do hanya de nakasi ma boni Ousmane Gawal mino no ya terto selu dale ha ndari beno yimmo hande yakadi wara bibbe himbe. Yeta pai koi, sendi tana koi, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Fi pai koi koi, arhebi na stad gidi. Mi yaltino do, men woli do ha, befo be na woko, fenande. Men ala argiman. Ko fekino labe doko. Ko pai koi be yebe, yaltini ka ekol prime. Wo pai koi, anana pai koi, dumbuya, kere. Hala pai koi moko ba, dun no fami metu, no, c'est difficile pour comprendre la voix d'un enfant et la voix d'un adulte. Halo moko bay payko dun no satimandi tago be altina payko ko me wolino dun ha ndare no payko ko wara do ko son tous des enfants. Maintenant on va arriver sur la femme de Mamadi Doumbouya. Bengu Mamadi Doumbouya fe ndo do e fami makon e be udutu de supermarché jibuy la Guinée. Rwanda kadi ibe udite don supermarché gibuy son natie den supermarché gi wallahi billahi tallahi pigidi no sat chogunder don buri hay le porto. Mais comme ils ont l'argent, le petit clan d'ethno de Mamadi Doumbouya, ils ont l'argent. Le supermarché là c'est pour eux seulement, et le supermarché là appartient à la famille de la femme de Mamadi Doumbouya. Vous rentrez là-bas, les prix hein. Même un kilo de sucre qui coûte en Europe ici, là, 1 € et quelques là. Et ils vendent ça là jusqu'à 120 000 francs guinéens, 1 kilo de sucre. Pour dire que, parce que ça vient de l'Europe. Et tout ça là appartient aussi à la femme de Mamadi Doumbouya. Je vais vous montrer, regardez. Vous n'avez rien compris encore. Ndare, do, supermarché, ko, bengu Mamadi Doumbouya, jogi la guinéko, non? Ndare. Pigine sa natiton. Kokambe tu marimbudi, kokambe tu natataton. Se pour cela, quand ils rentrent là-bas, ils amènent des filles là-bas. Oh, si me natiton giwo hara elani. Regardez, vous serez étonné même. Même en Europe ici, les choses ne coûtent pas cher comme ça là. Et vous allez voir, écoutons. Mamadi Doumbouya veut rester. Il a tort. Alors, Mamadi Doumbouya. Attendez, regardez le supermarché là. Voici Emmanuel Macron qui a été enregistré à son insu. Guinéens, vous êtes trompés. Guinéens, vous êtes trompés. Et vous nous avez trompés. Attendez.
Attendez, je vais vous montrer le supermarché là. Ils ont même bloqué la vidéo. Hein. Ah ben là, mais bloqué vidéo. Ils ont bloqué la vidéo hein, parce que... Oh là là, faut jouer là. Mais bloquer vidéo, ils ont bloqué la vidéo pour ne pas qu'on montre. Vous avez vu? Mais bloquer vidéo, pour ne pas qu'ils me rendent la vidéo, mais bloquer moi. Hein? Au supermarché, quand je m'en dis, je vais vous dire que je vais vous dire, mais bloquer vidéo, vidéo joue à ta gueule. La vidéo ne joue plus, ils ont bloqué la vidéo, mais bloquer gueule, car les réseaux sociaux font bloquer. Vous allez voir ça, c'est des dingueries même. Paquet de sucre qu'on vend en Europe ici, 1 euro. Et ils vendent ça jusqu'à 125 000 francs guinéens. C'est des dingueries même. Ils ont bloqué la vidéo. Ils ont bloqué la vidéo en fuite à oui. Ils ont bloqué la vidéo. Attendez. Oh là là. Ah ben là, je vais essayer. Mais bloquer vidéo, c'est sûr 100%. Mais bloquer vidéo, t'as toujours quoi. Et comment on va dire, Dumbuyan, où dit-il supermarché, la Guinée. Billa et Sanati, ton comment locale, c'est tout. Wata, c'est le golton, et bien quoi. Tout est cher là-bas, non, vous allez au Porto. On dirait même en Californie même. Mais bloquer vidéo, ils ont bloqué la vidéo. Aïe. Parce que c'est une honte pour eux, ils me rendent leur vidéo. C'est une honte, billahi. Ils ont bloqué la vidéo. Ils ont bloqué la vidéo, c'est pas grave. Je vais chercher, on va voir comment on va arranger la vidéo là, on va faire jouer encore. Mais bloqué, ils ont bloqué la vidéo. Le bloqué vidéo. Hein? Pengo m'a dit Dumbuya no mari supermarché marché la Guinée ni. Sana ki ton hay Californie pigi din sata ki ogono. Hein? As pa ke suka so de terre 1 euro le do porto do. Pengo m'a dit Dumbuya ko équivalent ko 12,50 beyata pa ke goto suka. Non, sardine boîte de sardine ko be so da to do menda gelu. Ça n'a qu'un boîte de sardines, go tout ton ko 75 000. Donc, faut non, qu'on bengou maman de Gumbuyage. Mon daron de cas supermarché de Rwanda. Et appartement. On y boude qu'on veut dire qu'on kadouando. On ne doit pas parler de ça. Hé, hey, le karma de Dieu va vous attraper un à un. Vous êtes des criminels. Maintenant, ben, maïni, teme de rego umai e be yetu de non kadi ki gemma do ni e be yetu de fure gi din kadi ya asan be aso ya ber be aso ya ngaika be wada ton fure gi din be suda. Ils sont en train d'aller enterrer les corps là à l'air là dans zéro choléra. Vous allez entendre demain chacun, les gens vont commencer à sortir demander leur enfant
Les enfants là, leurs frères, leurs petits frères là, ah, ils vont dire que d'autres ont été transférés à Donka, d'autres ont été transférés à l'hôpital Ignacilia à Conakry. C'est comme ça qu'ils vont les prendre, après ils vont dire non, on ne les a pas retrouvés. D'arrêter, il y a un accident comme ça. Mais nous, on dira déjà qu'à téléphone, il nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de pardon. Allô? Ah, ok. Akana landena yandi do enen kadi me mari be buy katerendo ke yetu de fure yiri na bani sudari ha. Wow. Eh Allah. Il y a plus de 100 et quelques morts. Mais il y a tout de fourré, il y a ni soudadi. Internet, on montre aux gens en temps réel. Dumbuya wara sadaka. Vous avez vu ça? Quelle honte! Quand on dit aux Guinéens là, il faut être honnête dans la vie là. Vous partez chercher quoi pour faire campagne pour Mamadi Doumbouya qui a tué, assassiné plus de 200 et quelques morts? Ce Dieu qui vous a maudit encore comme ça là, vous partez là-bas pour faire quoi? Pour applaudir? Pour soutenir gala football de match? Quoi? Il a fait quoi? Doumbouya a fait quoi pour la Guinée? Doumbouya a fait donner quoi à ce pays là? Un criminel sanguinaire comme ça là. Maintenant vous avez perdu vos enfants, vous pleurez. Vous pleurez. Pourquoi vous n'avez pas dit aux vos enfants là de rester à la maison? 10 000, 25 000 francs guinéens, c'est ce qui va changer la vie de votre enfant. 10 000, 20 000, ça va changer la vie d'un enfant guinéen. Tandis que Mamadi Doumbouya et toute sa famille et tout son petit clan ethno-malinké là, ils sont en train de s'enrichir seulement. Ils sont tous devenus des milliardaires. Regardez le scandale de la douane. Plus de 115 millions de dollars. Plus de 115 millions de dollars. Les voyous là, les criminels là, peuvent parler de la corruption sur la tête de quelqu'un en Guinée. Vous pouvez juger quelqu'un en Guinée. Hein? Les Amara qui achètent des maisons jusqu'à 3 millions de dollars. Après la révélation maintenant, il vient casser toutes les maisons qu'il a acheté plus de 2 à 3 millions de dollars. Vous parlez de quoi? La Guinée, c'est pas un pays normal. Wallahi billahi ta'alaï. Les choses comme ça, ça peut se passer seulement en République de Guinée. Voilà maintenant, Mamadi Doumbouya, tu es venu mettre tes fesses là au dehors. Parce que vous allez voulu jouer campagne de zéro courée là pour montrer à la communauté internationale. Mamadi Doumbouya est soutenu. Voilà, c'est devenu une honte. C'est devenu les carmans de Dieu contre vous. Mamadi Doumbouya, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Ça encore, c'est un dernier message de Dieu, Mamadi Doumbouya. Ça, c'est Dieu qui t'a donné le dernier message. Pour te dire, il faut te faire marche arrière. Mamadi, il faut faire marche arrière. Quand tu forces la mansaya, tu forces la Mamadi Doumbouya. Imiri kamorfa l'état kamolfa. Kalfa konde bon mansaya la kalam malia. Kala irki kam frakan. Yo son. Kalfa konde ke bandidi. Kala do mombli kono. Kala tamifula albra.
Mamadi Doumbouya, aucun malinqué, je ne dis pas les faux malinqués là, un malinqué noble, digne de son ethnie là, ne va jamais aimer ce que tu as fait Alpha Condé le 5 septembre 2021. Je ne dis pas les malinqués maudits là, hein, les malinqués maudits là. Les maudits là se retrouvent dans toutes les races, dans toutes les ethnies. Je ne dis pas les maudits là qui ne connaissent pas, c'est-à-dire la valeur de ce qu'Alpha Condé a fait pour toi, ce qu'Alpha Condé a fait pour l'ethnie malinqué là. 43 généraux malinqués dans l'armée républicaine. 43 généraux malinqués. Et vous allez partir vous associer encore. Les mêmes malinqués là, Alpha Condé vous avez qualifié de malhonnête, d'ingrat. Vous vous regroupez encore pour humilier Alpha Condé. Sadiba Koulibaly est où aujourd'hui? Sa famille seulement, ils ont seulement leurs yeux pour pleurer aujourd'hui, non? Quand les femmes veuves sont parties au camp là-bas pour demander Sadiba Koulibaly, qu'ils veulent savoir où se trouve le corps de leur mari, Sadiba Koulibaly les a insultés, de sortir même. L'imam est là-bas, l'imam, votre imam de la grande mosquée, moi, ce n'est pas un imam qui ne dit pas la vérité, ce n'est pas un imam. Votre imam de la grande mosquée là, était là-bas. Il était là-bas, il faisait même le Congo, ça même pour Sadiba Koulibaly. Contre les femmes vives là. Sadiba Koulibaly est où aujourd'hui? Sadiba Koulibaly est où aujourd'hui? Les Fonike Mangé sont où? Bilo est où? Vous avez vu quel est l'imam? Les sages de la République de Guinée. Oui, Maubeno, Yaltado, Djodo, Wada délégation, Yahida, Mamadi Doumbouya, Inugolbe, Fonto, Fonike, Mange, Biloni. Un pays raté, c'est un pays raté au monde. Un pays de mythos, République de mythomania. République de mythomania, c'est la Guinée qui s'appelle République de mythomania. Il faut mentir en Guinée pour vivre. Quand tu dis la vérité, on doit te condamner 50 ans de prison. En Guinée, quand tu dis la vérité, la justice guinéenne doit te condamner 50 ans de prison. Quand tu dis la vérité, la justice guinéenne doit te dédommager 500 millions de francs guinéens. C'est le seul pays au monde qui existe comme ça. Unique à son genre. Plus que tu mens, on te met en prison. Plus que tu mens, c'est-à-dire on te donne tout ce que tu veux, voiture, tout. Plus que dis la vérité, là, on te condamne à l'infinitif même. Des criminels comme ça qui vont se lever le 5 septembre, venir braquer un pays, nous mentir les beaux discours. Voilà aujourd'hui encore l'image que tu voulais là, Mamoula. Et à zéro Corée, Dieu t'a donné Mamadi Doumbouya. Plus de 150 morts, comme l'histoire de 28 septembre encore. Ah! 1er décembre, 28 septembre. Les Guinéens ne vont jamais oublier ça. Dépôt de carburant, boum! 200 et quelques morts jusqu'à aujourd'hui. Bientôt 2024 va finir. Il n'y a pas d'enquête. Dépôt de carburant, plus de 200 et quelques morts. Dossier classé sans suite. Charles White était ministre de la Justice à l'époque. Qu'est-ce que Charles White nous a dit devant le monde entier là? Tous les dossiers ont été transférés à la présidence. C'est ça l'enquête de dépôt de carburant. Aujourd'hui encore, le 1er décembre 2024, avant la fin de ton mandat, Dieu encore t'a donné un dernier message. Mamadi Doumbouya, je te dis, c'est Dieu qui est en train de te dire, réveille-toi. Tu n'as pas affaire avec nous les Guinéens seulement. Tu as affaire avec Dieu. Ta conscience a affaire avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu, avec le Coran. Tes mains sont sales, tes mains sont... Tu parles seulement Simandou 2040, Simandou 2040. Les enfants qui sont partis au stade là-bas aujourd'hui, les enfants là connaissent quoi de la politique? Quand même tu demandes les enfants là qui est Sékou Touré, ils ne connaissent même pas Sékou Touré c'est qui. Mais quand il a dit Donald Trump, tous les enfants là connaissent Donald Trump. Quand il dit Poutine là, tous les enfants qui étaient là-bas, ils connaissaient Donald Trump. Mamadi Doumbouya, ils sont là-bas seulement parce que vous êtes en train de les partager l'argent. Parmi les enfants là, si tu demandais un enfant là-bas, tu dis Mamadi Doumbouya, il va dire qu'il connaît pas. Il va te dire c'est qui. On dit aux enfants d'aller au stade qu'il y a là-bas, il y a partage d'argent. C'est ça qui a mené tous les enfants là, là-bas. Kodou n'a bikoy pas qu'il faut. Pas qu'il faut, mon bébé, ou ben, ah, y a un castato, zéro kurebe, c'est un doute d'un boudi.
be sendu to demburi be jona ka ditiso ko dun ko pay ko fu do giardo ko me yalta no do me ina ko pay ko do ko pay ko do no e ka sta do vraiment e mamadi dumbuya ko katado bi katado ko katado bi katado mamadi dumbuya yalla ittu hor yalla ittu a mamadi dumbuya hore ginem turke mala fatke mala yalla ittu fire mamadi dumbuya yalla wirtu mamadi dumbuya yalla nyande go bimbi do e 31 décembre ou le do e le 15 décembre do imoden do nanen do Idi Amin ha bi mamadi dumbuya Idi Amin kadi no prepare de coup de ma coup d'état ma confit go mamadi dumbuya ndare film ndu onde ça c'est un vrai film ndu mamadi dumbuya en train de préparer les décrets pour amener Idi Amin à la retraite Ibrahima Sow Bangoura ah tonton firifiri ou c'est tonton boss là bis quoi là Mamadi Doumbé est en train de préparer pour écarter Bala Samoura. Mettre Amara à la gendarmerie. Bala Samoura va quitter. Il va amener Bala Samoura vers ou à l'amba, dans un pays africain de l'ambassade ou dans, à la frontière là-bas. Idi Amin, il va amener Idi Amin à la retraite. Idi Amin aussi est en train de se préparer pour renverser Mamadi Doumbé. Hey, le film est doux avant le 15 décembre là. Chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes là. On va regarder un bon film hindou. Un bon film hindou. Hein? Le gouvernement des 12 salopards, chacun en train de guetter son prochain. C'est-à-dire, le mandat du gouvernement des 12 salopards va prendre fin le 31 décembre 2024. Hein? Idi Amin est en train de préparer son coup d'état pour éliminer Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya aussi en train de préparer ses décrets pour amener Idi Amin à la retraite. Et d'autres militaires encore. Eh? Le film, c'est important. Film hindou. C'est pas le début qui compte, c'est à la fin. Là. Film hindou, là, on est arrivé à la finitologie. Le film est fini, quoi. Mamadi Doumbouya se prépare pour amener Idi Amin à la retraite. Mamadi Doumbouya avait remplacé Bala Samoura par Amara. Mamadi Doumbouya. Idi Amin aussi se prépare, il est en train de placer ses points pour taper Mamadi Doumbouya avant le 15 décembre. Le film hindou là, ça sera très intéressant. On va vous laisser, vous allez vous tuer entre vous là-bas d'abord. Après nous, on va venir maintenant récupérer le pouvoir. On va remettre le pouvoir là, un civil. Mais à partir du 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya, c'est une honte. Demain, la vidéo là, on va amener ça partout jusqu'aux Nations Unies. La vidéo, ce qui s'est passé à Zéro Coura, que vous voulez cacher là. J'ai dit à tous les blogueurs là, à tous les communicants là, passez tout ça là dans tous les panels là. Faites passer ça dans tous, sur les réseaux sociaux, partout. Les médias africains là, partout. Amenez ça partout, même Afrique Média, partout. Amenez ça jusqu'à dans la main du président Bandakani. Pour voir Mamadi Doumbouya enlever des Guinéens encore sacrifice pour se maintenir au pouvoir. Kosada koiti mebeni. Et prépare-nous très bien. Mais prépare très bien. Ministre de la jeunesse, non, il n'a pas encore qu'il est de la forêt. On y. Ben ni on. Ou ben yeti mo benadi mo otoal. Ou urgence na bougon mo konakri. Yo hotu konakri. Somai hara kokanko da bimai de makone. S'il est mort là, c'est lui-même qui a cherché sa propre mort. Pour venir mentir aux gens. Vous vous rappelez de son arrogance là. Avant même le 31, le 1er décembre là. Vous avez entendu ce qu'il disait ici. Les mensonges. Hein? Il venait même, c'est-à-dire, menacer les gens de la forêt. Vous n'avez pas honte. Honte à toi, Mamadi Doumbouya. Tu es une honte africaine. Tu es devenu une honte de la République, Mamadi Doumbouya. Vous venez braquer un pays, vous transformez le pays là à un gouvernement de la pornographie. Vous êtes malades, vous êtes des malades mentaux. Non. Vous êtes tous des séropositifs mentalement. Vous êtes devenus des séropositifs mentaux. Tous. Non. Voilà, aujourd'hui, vous partagez l'argent des enfants. On vous a dit aucun, Mamadi Doumbouya, aucun Guinéen qui a 20 ans aujourd'hui là, qui est conscient que sa vie est en danger, là, son avenir. Là. Il n'y a pas un Guinéen, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, qui peut te soutenir à Guinée. Regardez, c'est les enfants que vous avez ramassés pour remplir le stade, là, pour prendre les images, là, amener partout où tu es soutenu. Mamadi Doumbouya,
Nous, on s'en fout de ça. Nous, on sait où attraper tes testicules là. On sait où attraper tes testicules là, Mamadi Doumbia. Tu as signé des documents. Tu as signé des documents. Tu as pris les copies, tu as remis à la communauté internationale, Mamadi Doumbia. C'est là-bas. Anyiminalaene qui cli déjà vrai. Qui cli serait tournevis là, ni pince. Tu penses que la Guinée t'appartient? Regarde, tu as tué les enfants des gens. Toi, tes enfants sont en train de dormir dans les climats à l'air là. Il a dit le sonok en climatiseur là. Quand Boulokolo n'a dit le quand on a dit qu'il y a 25 000 francs guinéens, t'as qu'à la traoù là. Si tu as regardé, et 25 000 tongo, et n'a pas de mané à ce gastade, et t'as regardé ça, il est reclimatisé. C'est vous qui êtes les moutons là, vous les pères de famille, mères de famille là, qui vous laissez vos enfants. On a un bâtiment de golbi, donc, mais, bipé mouillon, et on dara, oh, birdi, quoi, des capes, et on est wade. Faut en faux comment? Naïe, ben, n'y a contre celle-là, dans les mêmes. Vous allez lire le 2024 là, vous allez voir si Allah Djabihika, si Allah Djabi, si Allah Lanon Djabihika, c'est Lula Moto la Guinée. Maintenant, non, si Wada est 2 ans, 3 ans, mais c'est Lula Moto la Guinée. Aïe, c'est 3 mois, 6 mois. Maria m'a dit dans Kahala. Mini ont tout le temps son état qui a dit c'est Lula Moto la Guinée à l'élection Wadaka. Ni dit l'an Wolande. Maria a dit au vidéo qu'on connaît. Son état qui s'est loué d'aller, on est président de la République de la Guinée, à l'élection Wadaka. Mare m'a dit donc à des temps là. Mare m'a dit. Et nous, ce que vous avez dit, c'est une vidéo qui fait imam ou d'oko, qui fait imam ou. On a dit, on a dit, on a dit, Django. Qui fait imam ou d'oko. Qu'au CNRD, plus de 200 et quelques personnes, 100 et quelques personnes, et qu'il y a un imam, et préparé, et pour qu'il y ait un imam, il y a un imam, il y a un imam, il faut qu'on finisse. Personne n'est sorti. Ils ont préparé ça avant même. Ils ont amené les forces spéciales à Mamou là-bas pour dire que les gens sont sortis pour les soutenir à Mamou. C'est faux. C'est archi faux. Ils étaient tous des militaires en civil. Tous des forces spéciales en civil sont venus remplir la ville de Mamou pour dire que les gens de Mamou Fouta Gallon soutiennent Mamadi Doumbia. Faut qu'on finisse. C'est si faux. Maintenant, ben, les femmes, les politiques, yalta doit nous gol. Hey, Mamou, yalta ni Mamadi Doumbia. Hey, Dari, Jama Mamou. Jama Hondou. Jama Hondou. Ben, faut qu'on des forces spéciales. Et le balle de nous faire, nous prépare le coup d'état et nous avons Alpha Condé à dire rebelle, fi renverse le golmo, on va faire faux coup d'état. Mais, oui, ça va dire faux coup d'état. Idi Amin va lui taper fort. Idi Amin te guette. Téléchargement de coup d'état, Mamadi Doumbouya, contre toi-même. Avant le 15 décembre. Je te dis, Mamadi Doumbouya, téléchargement de coup d'état contre toi par Idi Amin. Par Idi Amin, Mamadi Doumbouya, je te dis ça là encore. Je te dis ça là encore, Mamadi Doumbouya. Téléchargement d'un coup d'état contre toi, Mamadi Doumbouya. Voilà, qui sera organisé par Idi Amin avant le 15 décembre. Tous les Guinéens n'ont qu'à télécharger ma vidéo là, garder comme souvenir, comme témoignage aussi. Tu vas voir, tu vas lire leur. Voilà, tu viens, tu veux t'imposer au pouvoir. Oh, hey, vous avez pris le pays là en otage. Ici, c'est une question de la légitimité. Que le peuple choisisse son président. Comme ce que Donald Trump a dit, à partir de janvier, là, la récréation est finie pour tous les pushs là, qui ont fait coup d'état là, en Afrique. Là. Vous allez tous enlever vos tenues là, si vous voulez devenir candidat. Libre, transparent. En ce moment, on va voir qui va te voter. Même les mouches. Même Mamadi Doumbouya, si tu vas aux élections présidentielles aujourd'hui, toi et Grampé là. Mamadi Doumbouya, il y a élection à Bini Grampé. Si c'est libre et transparent là, même moi, Grampé va... ils vont voter pour Grampé, Mamadi Doumbouya. Tellement que tu es détesté, tellement que les Guinéens ne veulent même pas entendre ton nom. Hier, j'étais avec un Guinéen, quand j'ai dit Doumbouya là, il dit qu'il me respecte. Si c'est quelqu'un d'autre là, il allait insulter sa maman. Tellement qu'il ne veut... C'est un Malinké de Cancan, tellement qu'il ne veut même pas entendre parler de Doumbouya. Il me dit, grand Jean, j'ai de respect pour toi. Si c'est quelqu'un d'autre qui me parlait de Doumbouya comme ça, j'allais insulter sa maman. Tellement que Doumbouya, les malinqués de Kankan ne veulent même pas entendre parler de toi. Regardez comment tu es parti, partager l'argent de la nation
pour faire des, c'est-à-dire des, la démagogie, pour prendre les enfants mineurs, 12 ans, 13 ans, 14 ans, pour remplir le stade là, pour dire que tout le monde veut de toi. Regardez la honte. Regardez le corps des enfants des gens. Mamadi Doumbouya, tu n'as pas honte. Hein? Un gouvernement de Bilakoro comme ça là, regardez. D'arrêt, regardez. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Partagez dans tous les groupes. Il n'y a même pas de, il y a plus de place même à la mort. Plus de 150 morts. Ça, c'est l'histoire de 28 septembre encore. L'histoire de 28 septembre, 28 septembre est devenu maintenant 1er décembre. On m'a dit, Doumbouya, tu vas lire l'heure, tu seras jugé en Guinée. Je prie le bon Dieu, le jour qu'ils vont te t'attraper là, comme un voleur, tu n'es qu'un voleur même. Je demande le bon Dieu, le jour là, qu'on t'attrape comme un simple voreur. Pas, ils vont, ça ne veut pas jouer la violence avec toi pour t'assassiner, non. Quand ils vont t'assassiner là, Mamadi Doumbouya, la douleur là ne va pas quitter dans mon cœur. J'aimerais qu'on te prenne comme ce que tu as fait aux autres là, au Dadis, à Keboro, les Pivi, toutes les autres, les Kassori là. Ils vont venir te mettre devant les barreaux. On va te poser la question, pourquoi tu as fait le coup d'état là contre Alpha Condé? C'est une bonne question, hein. Pourquoi le coup d'état contre Alpha Condé? J'aimerais voir tes yeux le jour là, tu regardes tous les Guinéens. Pourquoi tu es venu t'assassiner plus de 100 et quelques Guinéens encore? Où sont les corps des familles victimes de 5 septembre, Mamadi Doumbouya? Hein? Non, ça fait mal. Je voulais parler de ce farfelu, Makosso, ce Makosso de merde là. Le voleur, le crespilé mental de christianisme, de voleur. Le pasteur escroc là, le pasteur voleur là, Makoukami Makosso. Si la banque centrale est pleine de l'argent là, je veux te dire, farfelu que tu es, analphabète que tu es, Mamadi Doumbouya n'allait pas demander 100 millions de dollars à la Banque mondiale. Il dit que la Banque mondiale est tellement remplie aujourd'hui, l'économie de la Guinée est stable. Je suis d'accord avec toi. Comme la Guinée, c'est pas un pays, c'est pas des Guinéens qui sont en train de vivre en Guinée, c'est pas des hommes responsables qui sont à la tête de ce pays-là. Toi, tu peux aller gueuler dans un pays si c'est pas la Guinée. Parce que tu es un féman, tu es un pasteur féman. Camille Makosso, tu es un pasteur malhonnête, tu es un féman. Tu n'es même pas pasteur même. Tu es sorti de la prison à faire des drogues à la Maca d'Abidjan là. Tu t'es lancé dans l'affaire de pasteur là pour escroquer les gens. Mais les Guinéens n'ont pas compris. C'est le jour que tu es en train de monter à l'air là pour escroquer Mamadi Doumbouya. Pour les escroquer des millions de dollars. Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un conspirateur. Tu n'es qu'un conspirateur, Camille Makosso. Un grand conspirateur. Hein, tu n'es qu'un escroc, un vagabond, pasteur. Un malhonnête pasteur. Tu viens dire que l'économie de la Guinée va bien. Maintenant, sors tes testicules là, ici, là. Tu vas dire ce qui s'est passé à Zéro Corée là. Viens nous dire pourquoi il y a eu tant de morts comme ça, là, les enfants mineurs. On organise les tournois pour ces criminels. Tournois de quoi? Médaille de l'assassinat des Guinéens. Quoi? Mamadi Doumbouya a fait quoi pour la Guinée? Vous venez dépenser des milliards comme ça, les enfants n'ont même pas de quoi. Même l'eau potable, les enfants n'en ont pas pour boire en Guinée. Les enfants s'assoient par terre pour étudier. Vous êtes à dépenser, tu entends 60 milliards, 30 milliards, 20 milliards, 3 milliards. Camille Makosso, lui aussi, vient prendre ses parts de gâteau en Guinée. Tu as raison, jusqu'à tu as eu passeport diplomatique. Toi, Alassane Dramane Ouattara peut te donner un passeport diplomatique. Si ce n'est pas ce clown de Mamadi Doumbouya là. Hein? Si ce n'est pas ce clown de Mamadi Doumbouya là, qui va te donner un passeport? Qui?
Vraiment, le pays là. Le pays là, c'est un pays qui a refaire à zéro. Il faut refaire le pays là pour n'en là. Ndare, plus de 100 et quelques morts. Il y a tous les noms qui sont les gens qui sont les gens. Hein? Et la fin de le. Il y a tous les fourrés qui sont les gens. Ils sont tellement malhonnêtes. Ah, Camille Masso, Makoso, tout va bien en Guinée. Nulla. Espèce d'hypocrite que tu es. Regardez, ça c'est zéro pour encore. Hein. C'est zéro pour encore, regardez. Regardez, c'est zéro pour eux. Regardez. Ça, c'est zéro pour encore. C'est pas les retombées. Ça ne va pas. Écoutez Macanera, hein. Ça c'était au temps de Seloudale. Tous ces pays font des appels. Écoutez, ça c'était au temps de Seloudale. La paix pour la culture. Je voudrais dire d'abord aux leaders religieux que la paix se construit. La paix, ce n'est pas un seul mot, ce n'est pas un même mot, mais ce sont des comportements. Je rappelais l'autre fois le grand imam de Conakry, quand il a demandé la paix, je dis bien que notre religion, son sens littéral, c'est Salama, la paix, mais Dieu nous a imposé la guerre contre l'injustice dans la sourate Baqara, là où il a dit « Koutiba alaykoum le détalou wa wa kourou l'amou » « Asa an takra koucheyan wa wa khayrou l'amou »« Wa asa an tuyi koucheyan wa wa sarou l'amou » Dieu a dit dans le Coran qu'il nous a prescrit la guerre sainte. C'était pour lutter contre l'injustice. Donc je voudrais dire à ces leaders religieux, nous sommes prêts à nous battre pour défendre les votes des Guinéens. Il faudrait que cela soit clair. Au prix de nos sangs, nous nous battrons pour rétablir chacun dans ses droits. Il faudrait que cela soit clair. Ce sont des hypocrites, ils ne peuvent pas aller jusqu'au fond. Parce que moi, je suis prêt pour mourir pour la justice et ils sont incapables de mourir pour l'argent. Parce qu'ils se battent pour le décret, pour l'argent. Nous nous battons pour la démocratie, pour le peuple de Guinée et pour le progrès. Merci beaucoup. Moi, je suis prêt pour mourir pour la justice et ils sont incapables. Vous avez entendu le malhonnête avant? C'est-à-dire, je vous ai dit, la République de Guinée est devenue un pays de comédiens. C'est un pays de comédiens, de mythos. Ça, c'est Macanera. Hein. Il dit que c'est écrit dans le Coran. Écoutez ce que Macanera dit ici. Il dit que c'est écrit dans le Coran. Il dit que c'est écrit dans le Coran de faire la guerre à quelqu'un qui ne veut pas te rendre ta propre justice.
que tu s'écris dans le Coran, que tu peux te lever, mais faire face à la personne. C'est Makanira qui disait ici, là, il dit Suratul Bakri quoi, là. Vous savez, c'est lui qui connaît tout le Coran. Hein. Il a récité même le Coran, même plus ceux qui ont, plus que l'imam même de l'Arabie Saoudite. On va écouter ça encore ensemble. Écoutez, hein. Écoutez très bien. Pour l'argent, parce qu'ils se battent pour le décret, pour l'argent. Nous nous battons pour la démocratie, pour le peuple de Guinée et pour le progrès. Écoutez, Dieu a dit dans le Coran qu'il nous a prescrit la guerre sainte. Qu'il nous a prescrit la guerre sainte. Donc je voudrais dire à ces leaders religieux, à tous ceux qui font des appels pour la paix, pour la culture, je voudrais dire d'abord aux leaders religieux que la paix se construit. La paix, ce n'est pas un seul mot, ce n'est pas un même mot, mais ce sont des comportements. Je rappelais l'autre fois le grand imam de Conakry, quand il a demandé la paix, je dis bien que notre religion, son sens littéral, c'est salama, la paix, mais Dieu nous a imposé la guerre contre l'injustice dans la sourate Bahra, là où il a... Vous avez entendu que Dieu nous a imposé la guerre sainte dans le Coran où il disait Suratul Bagara. Écoutez, c'est Makanira qui dit ça. Hein. Donc, peuple de Guinée, là, soyons prêts pour combattre Mamadi Doumbouya. Makanira nous a dit que c'est écrit dans le Coran, que Dieu nous a imposé dans le Coran là. La guerre sainte. La guerre sainte, si. Écoutez très bien. Hein. Mais ce sont des comportements. Écoutez, écoutez. Hein. Je rappelais l'autre fois le grand imam de Conakry, quand il a demandé la paix, je dis bien que notre religion, son sens littéral, c'est salama, la paix, mais Dieu nous a imposé la guerre contre l'injustice dans la sourate Bahra, là où il a... Dieu nous a imposé la guerre. Dieu nous a imposé la guerre contre l'injustice, là où il parle de la suratul Bagara. Bagara ou quoi là? Vous avez entendu que Dieu nous a imposé la guerre contre l'injustice. Que c'est écrit dans le Coran, c'est Makanara Keke, Marakana Kake qui parle. Parce que moi, il s'appelle Marakana. Marakana, Kirikou. Kirikou Marakana Kake, comme l'autre l'a appelé là. Comment il s'appelle là? Le journaliste là. Hein? Que Dieu nous a imposé la guerre sainte. Écoutez, Makanara, tu es trop bon. Je rappelle, moi je suis prêt pour mourir pour la justice et ils sont incapables de mourir pour l'argent. Parce qu'ils se battent pour le décret, pour l'argent. Nous nous battons pour la démocratie, pour le peuple de Guinée et pour le progrès. Dieu a dit dans le Coran qu'il nous a prescrit la guerre sainte. La guerre sainte. C'était pour lutter contre l'injustice. Donc je voudrais dire à ces leaders religieux. Lutter contre l'injustice. Il Makanira nous a dit, il nous a tout dit. Donc, le président Seldal n'a qu'à s'élever, il n'a qu'à prendre ses dispositions-là. Pour ma canera kake inido, ou alla no windika deftere. Ou, no windika deftere, alla. Ou no windika deftere. Ou, kala yaudo, kansudo ma wo fita hebu justice, ou alla no windu no windika deftere ton. Ou ya kwaya imu wada gere, hendo da ko fala da kon. Sa tawi be alama jonno golsaria wo alla no windi dun ka de wo no windi ka deftere ko kam makanera ka ke woni wolde dun de wo alla no imposane en dun si ko en victime contre l'injustice alla no imposane en wadu guerre ono la guerre sainte maintenant no guerre sainte in était pour là on fami parce que min français ko italien tun joni italien tun woni ka hore en français ay pour là. Et ils sont incapables de mourir pour l'argent. Parce qu'ils se battent pour le décret, pour l'argent. Nous nous battons pour la démocratie, pour le peuple de Guinée et pour le progrès. Dieu a dit dans le Coran qu'il nous a prescrit la guerre sainte. C'était pour lutter contre l'injustice. Donc je voudrais dire à ces leaders religieux, à tous ceux qui font des appels pour la paix, pour la culture, je voudrais dire d'abord aux leaders religieux que la paix se construit. La paix, ce n'est pas un seul mot, ce n'est pas un même mot, mais ce sont des comportements. Je rappelais l'autre fois le grand imam de Conakry, quand il a demandé la paix, je dis bien que notre religion,
Son sens littéral, c'est Salama, la paix. Mais Dieu nous a imposé la guerre contre l'injustice dans la sourate Bahara. Là où il a dit, Kutiba alaykum le kitalu wa huwa kurbun lakum. Asa an takrabu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum. Dieu a dit, Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dieu a dit dans le Coran qu'il nous a prescrit la guerre sainte. C'était pour lutter contre l'injustice. Donc je voudrais dire à ces leaders religieux, nous sommes prêts à nous battre pour défendre les votes des Guinéens. Il faudrait que cela soit clair. Au prix de nos sangs, nous nous battrons pour rétablir chacun dans ses droits. Il faudrait que cela soit clair. Ce sont des hypocrites. Ils ne peuvent pas aller jusqu'au fond. Parce que moi, je suis prêt pour mourir pour la justice et ils sont incapables de mourir pour l'argent. Parce qu'ils se battent pour le décret, pour l'argent. Nous nous battons pour la démocratie, pour le peuple de Guinée et pour le progrès. Merci beaucoup. Moi, je suis... Donc, vous avez entendu, Macanera, merci beaucoup, infiniment. Donc, Dieu même avait prescrit même dans le Coran, qu'on peut lutter contre un gouvernement qui nous impose, qui ne nous donne pas raison, qui ne nous donne pas la justice. On a dit qu'on Dieu a prescrit même dans le Coran. La guerre sainte, la guerre, si tu te sens victime de l'injustice, que Dieu nous a prescrit dans le Coran de faire la guerre sainte. Donc c'est tout. Merci beaucoup. Moi-même, je ne savais même pas que ta vidéo là existait même. Merci beaucoup pour l'information, Macanera Kirikou Kake. Merci beaucoup. Je ne savais pas ça. Que Dieu même avait prescrit ça même dans le Coran. Donc, partagez au vidéo Canel Group, il faut. Demain, Makuso, je veux m'occuper de toi. Comme tu n'as pas honte, tu es né avant la honte, un malhonnête comme toi là. Un ingrat, un voleur, un braqueur de l'église comme toi là. Un faux pasteur qui dit aujourd'hui la religion musulmane est la plus... C'est-à-dire, pour parler même de vous là même, c'est du perdre du temps même. Makoso, il y a de ses vidéos aussi. Les vidéos qu'il a... Ça fait 2 ans ou 1 an de cela. Cherchez les vidéos de Makoso, où il disait la religion musulmane est la vraie religion du monde. Ils ne sont pas des hypocrites. C'est lui qui va venir se flanquer aujourd'hui pour nous dire que tout va bien en Guinée. Oui, comme la Guinée est devenue Eldorado pour toi, le paradis, non? Tu sors avec 50 000 dollars, tu reviens encore en Guinée, on te loge dans les hôtels. Mamadi Doumbouya n'a même plus de blogueurs. Même les blogueurs de Mamadi Doumbouya n'ont plus confiance en lui. Parce qu'ils ont, ils ont vu que Mamadi Doumbouya a échoué. Ils ont le club des insultologues là. L'association des insultologues de Mamadi Doumbouya là. Ils ont vu que c'est fini. Même les artistes qui ont fait coco pour Mamadi Doumbouya là. Coco là. Où ils sont aujourd'hui? Tu t'approches de Mamadi Doumbouya, tu es foutu. Pogba est venu en Guinée là. Il s'est retourné en France. 150 000 problèmes. Il y a tellement, je ne peux pas rentrer dans les détails là. N'importe quelle personne qui va. Mamadi Doumbouya, il s'est approché de Assimi Goïta là. Voici comment les gens là ont commencé à avoir des problèmes. Un vrai, c'est-à-dire une malédiction pour ce pays là. D'avoir un psychopathe comme ça à la tête de ce pays. C'est une malédiction totale. Une malédiction totale d'avoir un voyou comme ça, un bandit gangster à la tête de ce pays-là. Un voyou de classe, de la première classe. Catégorie A, arrogance. B, bandit. C, corruption. D, délinquant. E, éphémère. Des chiens comme ça, là. Vous venez vous attaquer à une nation. Vous voulez, c'est-à-dire prendre le problème d'un pays. Et le truc électoral, là, vous voulez transformer ça au truc ethnique. Vous allez voir. Nous, aujourd'hui, en Guinée, on ne parle plus d'ethnie. Non. Nous, on veut que la Guinée devienne un pays normal. Parce que le pays, là, n'est pas normal.
Le pays est normal, mais les Guinéens qui sont en Guinée ne sont plus normaux. Parce que parmi les Guinéens, là, je ne pense pas que si, que ça dit, les 12 millions ou 13 millions d'habitants là, parmi les 13 millions d'habitants là, les Guinéens là, leurs têtes là ne sont pas en jour. Un Mamadi Doumbouya comme ça. Regardez comment il est parti tuer les enfants des gens à zéro courir encore. Ils sont en train de cacher la nuit là, les corps là. Voilà un ministre de la jeunesse qui partait faire l'arrogance là. Il paraît-il qu'ils sont en train de l'évacuer à Conakry la nuit là. On ne sait pas s'il est mort, c'est quoi là, parce que c'était panique. Il est tombé, les gens sont montés sur lui, on ne sait pas d'abord. Mais quand on vous dit qu'on est en train de l'évacuer à Conakry d'urgence là, cela veut dire qu'il y a problème. Encore, on doit cacher le corps là, parce que c'est une honte. Pour ne pas que ça soit publié dans les médias. Eh, la morgue même est remplie, on peut même plus mettre des cadavres dedans. Quel homme. Eh, Mamadi Doumbouya, il m'a l'encore que Khatatoy l'a dit. Khatatoy, vrai, un vrai Khatatoy. Depuis Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir en Guinée, c'est malheur sur malheur, malédiction sur malédiction. Dépôt de carburant. Hein? Le Fonike Mangue, Biloba. Sadiba Koulibaly, Monsieur Célestin, les dadis sont en prison là-bas et ils sont là. Et parce que on n'est pas pressé. Nous, on a les vidéos de témoignages, les vidéos qui vont t'amener à la CPI, Cour pénale internationale. Témoignage où tu as dit que l'armée c'est la parole. Alain Foucart t'a posé la question où tu t'es présenté. Moi, Mamadi Doumbouya, tu te rappelles? Je veux même. Viens même, tu vas te présenter encore avant de quitter même le live. Moi, Mamadi Doumbouya. Je m'appelle Mamadi Doumbouya. Écoutez. Mamadi, il faut laisser le pouvoir là. Ne force pas. Oh. Écoutez. Hein, il va venir nous dire. Moi, Mamadi Doumbouya. Je dis ici, j'affirme ici, ni moi, ni Ousmane Gawal, ni quelqu'un d'autre sera candidat. Vous êtes des fous. Wallah billah. Mamadi, je cherche Mamadi là. Viens, voilà. Mamadi va nous dire ça là, après on va se quitter. Présente-toi Mamadi Doumbouya. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il faut nous dire. Moi, Mamadi Doumbouya. Président de la transition. Il dit président de la transition. Je jure devant le peuple de Guinée. Je jure devant le peuple de Guinée. De préserver en toute loyauté. La souveraineté nationale. De respecter les dispositions de la charte de la transition. La dignité humaine. Les lois et les règlements. Et remplir mes fonctions. Dans l'intérêt supérieur de la nation. Et consolider les acquis démocratiques. Et garantir l'indépendance de la patrie. Et l'intégrité du territoire national. Après? Je m'engage solennellement. Et sur mon honneur. À collaborer avec les organes de la transition. Pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure. Que je subisse les rigueurs de la loi. Merci beaucoup. Je le jure. Merci beaucoup, Mamadi Doumbouya. Témoignage là. C'est toi-même qui a confirmé. Donc, portez-vous bien. Partagez vos vidéos quand vous le faites. Et Django. Thank you.